Honnêtement, je pense que j'ai passé un début de semaine très déprimant. C'était beaucoup trop d'émotions pendant 3 jours là. Le concert de Lilo, c'était un des concerts les plus importants auxquels j'ai pu assister. J'ai plus aucune voix, aucune âme, rien. Il reste rien dans ce corps. Ouais, ça c'est le bruit quand j'ai un peu mal au ventre, c'est pour ça. Vous êtes bien sur la chaîne de Vie en Discute et vous allez témoigner d'une chose extraordinaire, cette chose étant mon premier vlog. Vous l'avez vu un peu sur le titre, ce week-end va être un week-end exceptionnel, je te raconte le programme. Là je suis à Paris, demain matin à 7h du mat, ça va être trop bien. Bon, j'ai un train pour aller à Bordeaux. Qu'est-ce que je fais à Bordeaux? Je vais voir un concert d'Orelsan le soir avec mes deux petites sœurs. Sympathique. Ensuite, le samedi, je vais voir plein de potes à moi. Là, vous êtes sur une vidéo qui fait minimum 100 000 vues. Et on va à un concert de A2H. A2H, c'est un des rappeurs que j'ai le plus écouté dans ma vie. Tous ceux qui connaissent A2H savent que c'est un performeur de fou en live. Et ensuite, le dimanche matin, je crois que j'ai un train à 11h pour revenir à Paris. Et le soir, j'ai réussi, les gars. J'ai réussi à prendre des places pour Lilo. Donc, ça va être le Bercy. Papa, est-ce qu'il va arriver sur Megatron comme à son Olympia? J'espère. Est-ce qu'il va y avoir Alpha One qui va faire son couplet sur Stuntman? J'espère. Normalement, si Dieu est grand, ça devrait le faire. Je suis trop content, ce week-end il va être incroyable, en plus il fait beau là. Ah putain, il pleuvait plus, il repleut. Écoutez, c'est la fête. Et voilà, allez, normalement on se retrouve demain matin à mon réveil. On est dans le ghetto, je suis dans l'hosto, loin des stupes, des idées stupides. Vas-y, viens, on discute. Ok. Allez, ça va être super ce week-end. Oh, j'adore le... tout ce qui est rap, musique, là. Allez. À toutes. Yes. Ouh, je suis complètement éclaté, je viens de faire une méga sieste. Voilà, là, je suis pas bien. J'ai un style incroyable. La direction, la Arkea Arena, et là où je vais rejoindre mes sœurs. J'espère qu'il n'y aura pas une queue de 600 000 km. Quand les gens ils me fixent, je sais jamais si c'est parce que je suis hyper beau ou si c'est parce qu'ils me reconnaissent. Trop chiant. 10e fois au Orelsan. J'adore ce moment. 3e. À nous trois, je pense qu'on a vu peut-être 22 fois Orelsan. Je pense qu'on lui a donné un SMIC. Ouais. En vrai, j'ai quand même vu 3 fois. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. 3e fois à l'Arena de Bordeaux pour papa. La meuf ne se lasse pas. Moi, je l'avais vu, dis-toi, en mars 2012 pour la première fois, donc ça fait 10 ans là, pile poil. Ah, mais attends, c'était pas à Seignos ? Non, c'était à Bordeaux en plus. Okay. Comme dans toutes les chansons de Bayern, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap, tous tes potes ont trahi. Aurélien, une chanson. Parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir une civilisation. Je veux pas faire tout seul, en fait, on passe ensemble. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils sont détruits par la
hypnose. Oublie l'eau, je te ménage et tous les ans, je sais juste être le petit nouveau. Le toucher le soleil avant que la pluie vienne. T'inquiète pas, ça y est, ça ne comprouve pas le système. C'est quoi votre titre préféré sur l'album? Moi c'est Athéna, très particulièrement. Quel romantique. Évidemment, je trouve hyper bien écrit, le piano de phase, je trouve extraordinaire, je sais pas si vous voyez. Je trouve que c'est le moment d'émotion le plus pur de l'album. T'es plus intelligent qu'avant, mais t'es toujours très con. Ce que vous entendez ce soir. Ça fait plus de 20 ans qu'on bosse ensemble, c'est le stratège de notre équipe. Je veux entendre un putain de bordel pour Scrum. Plus de trucs pour Scrum. C'était un joli show. Magnifique. Elle a manqué Raël San. Si vous allez aller voir, voilà, vous n'aurez pas la surprise. Et en fait, pour moi, c'est un des plus grands shows en termes de scénographie et tout que j'ai vu. Après, ça manquait peut-être un peu d'ambiance, tu vois. C'était un peu ouais, trop bah, de monde. Le public change. Le public s'élargit. Il y a des enfants de 8 ans. Ouais. Bon, Lisa, t'en as pensé quoi? Sympathique. Sympathique. Carré dans l'air. Meilleur concert de ta vie ou... Bah, j'en ai pas fait beaucoup, donc... C'était le premier. Le titre, le meilleur concert de ma vie. Ça manquait d'énergie, mais c'était un truc... Juste, moi, je suis resté ébahi, tu vois. C'était genre un des plus gros shows en termes de scénographie. Ouais. Je l'ai jamais vu, tournée, pour de vrai. Il y a un step au-dessus, un peu. Il y a un budget de... Ouais, un budget au-dessus, ouais. De à peu près 55 millions d'euros par soir, tu vois. Bon, vas-y, bisous. Yes, bisous. Ciao, bon à deux H. Ouais. Regarde, il est en train. Yeah. Ouais, il est tombé mal au vient juste de partir. Non. Ouais, les gars. Ouais, vous avez un meilleur élément, les gars. Tu nous prépares quoi là? Là, elle est en train de gérer les fonds de sa banque d'investissement. Elle a demandé juste un crédit de 20 euros pour pouvoir se payer des coups ce soir. Pardonnez-moi, faut qu'il la fasse. Ah ouais, ça va bien. Si ça va arriver, moi je pense que c'est la fin. Quand tu veux dire, faut pas attendre, faire encore un nouvel album, faire cracher le feu. Ils ont rentré la balle, ils vont vous calmer le feu. C'est beau Bordeaux, hein? Pas mal. Tu viens de me dire, putain. Voilà, c'est ça le faire. Je reviendrai bien habiter là un jour, quand même. C'est cool. En fait, j'étais halluciné de la diversité de l'âge des gens qu'il y avait, qui contrastait pas mal avec la non-diversité de couleur de peau. Ouais, ouais. Le seul défaut du concert d'hier, c'était que j'étais sobre. Et là, du coup, on va essayer de régler ce problème. Le serveur, t'as une heure pour nous mettre bien. On sort d'ici, on est catastrophique. T'as raté ta mission si tu pars aussi. Et Nora, c'est quoi ton album préféré de A2H? J'adore quand il dit l'amour c'est le blues. Blues, mon amour c'est le blues. Ou alors ma meuf a pris de la MD. C'est pas mal ça. Ma meuf a pris de la MD. Non, je suis pas sûr. Il dit ça? Je crois que tu dis... Je crois qu'il dit pas ça. Ouais. Tu confonds avec la MZ? La MZ pour le PSP, ouais, y a moi. D'accord, très bien. Vous êtes prêts à chanter avec nous ce soir ou pas? C'est vrai? Quoi qu'il arrive, ne doute pas. Non, mon amour, ne doute pas. Même si mon cœur est locked down, je veux que tu sois autre part. Hey, barman, est-ce que tu peux me servir une caipi? Madame a soif, madame a le droit. Là, moi, je cède à ses caprices. Caprice. C'est nous à quatre pattes. Jamais.
fait pas la fessée. S'il fait pas une dalle à la fin, tu le butes. Ouais, j'ai moins que je monte sur scène, je suis cassé. Ouais. Les yeux rouges dans le bus, dans le métro, ça fait peur à ma amie. J'ai allé plus par ici, la vie c'est pas vu par prix. La vie ça tire, fonce, ça vie m'attire, chope des chapeaux. On la chante tous ensemble, celle-là. Elle avait un goût de grenadine. Elle avait la bouche sucrée. Ce genre de lèvres traumatise. Oh, c'est fou comme j'aime quand elle m'envoie des news. Ok. J'ai gravé dans le cœur des filles. J'ai vu de l'amour. J'ai vu du désespoir. J'ai gravé dans le cœur des filles. J'ai vu des rêves et des cauchemars. J'ai de la police. J'ai de la rouge, j'ai de la police. Par où avec mes goodies. J'ai cassé sur des alcooliques. Parce que j'ai des chassonnés. La disquette à rouler de peine. J'en peux plus, je suis tout tremble. Bro, t'as plus de voix, c'est bizarre. J'ai plus de voix, c'est atroce. Un petit peu, ouais. T'as kiffé ou quoi? Ça va, franchement, incroyable. Hâte de le voir au Hellfest. Quel week-end. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Ah, sa grand-mère. J'ai plus aucune voix, aucune âme, rien. Il reste rien dans ce corps. Que dire? A2H, complètement fou. Je sais pas si ça se voit sur les vidéos. Franchement, c'était exceptionnel. Il y a des potes qui sont venus avec moi, qui connaissaient pas bien, qui sont venus à part culon, même des potes qui aimaient pas le rap. Ils sont sortis de là en mode c'est bon, j'aime le rap. Wow, A2H, il convertit. Je me suis rendu compte dans la soirée que j'avais pas de billet de train pour rentrer, j'avais complètement oublié de le prendre. J'étais persuadé que je l'avais. Trop fait de la merde. Du coup, vu que j'avais pas les thunes pour en prendre un à 14h qui coûtait 100 balles, j'en ai pris un à 6h58. Et j'ai eu la belle idée de pas dormir du tout. Donc on a fait la fête avec. Quel enfer! Donc j'ai juste fait la fête jusqu'à 5h. Et je suis parti prendre le train. Putain, comment il s'appelait le mec de la Starac? Qui disait vert sur vert de Cuba Libre. Vert sur vert de Cuba Libre. Hier c'était une soirée dédiée en son nom. Cuba Libre, de tous les côtés. Je suis rentré chez moi, il était 11h, j'ai dormi de 11h à 14h très exactement. Je suis complètement explosé, je n'ai aucune voix. Normalement je suis censé capter le potager, mais on s'est pas tenu au jus. Bon, j'ai pas mangé depuis trop d'heures. Je vais manger un sandwich horrible. A tout de suite. Alors que ma place pour Laylo, je l'ai acheté à une meuf sur Twitter. À tout moment, je fais la queue, on me dit bah non, t'es déjà rentré avec cette place. Et je rentre chez moi et je dors. J'ai réussi à me faire spoiler par Raplume, je crois, sur Instagram. J'ai vu qu'il y avait Nekfeu, bon, ça je m'y attendais, c'était sûr et certain. Spécial, c'est un gros tube. Bon, voilà, c'était sûr qu'il allait venir. Thank you.
Mais tu
Le concert était complètement fou. Laylo là, surtout sur la fin, il a complètement vrillé là. Il a refait maladresse. Megatron, il a refait déjà la première, c'était dingue. Franchement, tu voyais qu'il était ému, tu voyais que c'était important pour lui. Et là, il s'est complètement rendu compte que c'était complètement absurde de vivre un moment comme ça pour un humain. T'es pas censé recevoir de l'amour de 20 000 personnes en même temps. Des gens lui ont souhaité son anniversaire, je savais même pas que c'était son anniversaire. Des gens criaient Laylo. Et genre, tu voyais qu'il était ému. À un moment, j'ai eu un peu les larmes aux yeux, tu vois. À un moment, il raconte que Nekfeu lui a fait confiance pour ses clips, alors que absolument personne lui donnait l'heure et que ça lui a permis de complètement lancer un peu sa carrière de... avec Haussmann sur TBMA, sur la Real. Donc, pareil, archi... émouvant ce moment-là. Tu vois que tous les artistes qui sont venus, Hamza, Joker, il y a tellement d'amour entre eux, Alpha One. Il y a quand même un côté frustrant à faire un vlog. Tu passes à côté du concert un peu. C'est hyper dur de vivre le concert tout en filmant, même si des fois j'essayais juste, je posais mon téléphone et je me disais, allez, je regarde même pas mon téléphone, je filme. Et je kiffe. Mais honnêtement, je pense que j'ai passé un début de semaine très déprimant. C'était beaucoup trop d'émotions pendant 3 jours là. En plus j'ai revu tous mes potes à Bordeaux, donc tous ceux que je vois pas souvent à Paris. En sortant, j'avais pas encore le recul en sortant du concert pour capter que... Et après je m'en suis rappelé, je me suis dit attends, mais... Gros, c'était le concert le plus émouvant que j'ai jamais vu. Je dis hyper objectivement, hein, j'ai pas 15 ans, c'était pas mon premier concert. Voilà, je pense avoir quand même... un minimum de sagesse pour pas m'enflammer sur ce genre de truc. Mais vraiment, le concert de Laylo, c'était un des concerts les plus importants auxquels j'ai pu assister. Ça, oh putain, j'ai cru que j'enregistrais. Franchement, je suis vide là. Je pense que ce week-end m'a fait perdre 2 ans de ma vie. j'ai gagné beaucoup de souvenirs, mais j'ai perdu pas mal d'espérance de vie là, je crois. Donner un petit top 3 des 3 concerts que j'ai vus. Je mettrais Laylo en 1 parce que c'était historique et pour toutes les raisons que j'ai dit. À la fin, il contrôlait plus rien. Ça se voyait, il a balancé son micro. En vrai de vrai, je sais pas s'il a réfléchi, mais il aurait pu fracasser la gueule de quelqu'un. Mais vraiment, c'était hyper dangereux, même si finalement il n'y a pas eu de problème, mais c'était très cool. Ensuite, A2H parce que c'était complètement fou l'ambiance. Évidemment, les concerts de 200 personnes, c'est toujours bien mieux en termes d'ambiance. C'est incomparable. C'est-à-dire qu'on était 200 gros cons à connaître par cœur et à se frapper dans des pogos. On trouvait Orelsan un peu déçu. Honnêtement, c'était super. Une belle scénographie, honnêtement. Je pense que peut-être encore plus belle que celle de Laylo. Honnêtement. Hein. Mais juste, les musiques sont un peu ennuyantes, c'est pas, j'ai l'impression que ça marche pas trop en concert. Il a vieilli quoi, honnêtement, il a un peu vieilli, et le public aussi, le public est très mou. Un public très mou du cul, Orelsan. Et puis surtout, bah, peut-être aussi la blaze, parce que ça fait 5-6 fois que je le vois, donc... allez, bisous, et bon dimanche si jamais je sors cette vidéo dimanche. Sans qu'il y ait toujours un...